Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons ce soir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez puissamment bénis, peuple de ce lieu. Nous sommes venus ce soir vous parler de Jésus-Christ. Et nous vous invitons ce soir, bien-aimés, à venir glorifier notre Dieu. Celui-là même qui a créé le ciel et la terre. Et qui a permis que tu sois en ce lieu. Que tu aies la santé pour vaquer à tes occupations. Nous vous invitons ce soir à venir glorifier ce Dieu grand, ce Dieu bon. Ce Dieu qui ne fait exception de personne. Bien-aimés, en ce soir, nous voulons que tu prêtes attention. En ce soir, nous voulons que tu ouvres ton cœur. Car il y a une parole pour toi. Que le Seigneur a donné à ses serviteurs, à ses servantes, pour que tu sois délivré, pour que ta vie change, pour qu'en ce soir, bien aimé, tu connaisses la vérité. Car la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est par la vérité, bien aimé, que tu peux être délivré. Sois béni en ce soir. Amen. Sachez que l'Éternel, il est Dieu. Il est vivant, bien aimé, il est bon pour toi, il est bon pour nous. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Who never, 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 who never
Jésus. Je
Woo!
Let me fight. I'm for you.
Alléluia, Jésus Christ est vivant. Alléluia, Jésus Christ est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Vers toi. Le Seigneur Jésus, toi, tu es là présent ce monde. C'est pas en vain que tu en souviens en cette heure. C'est pas en vain que tu en souviens en cette heure. Le Seigneur prédit pour toi. Le Seigneur prédit pour toi un message. Une parole. Une parole. Bien-aimé. L'amour ce soir pour toi. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Je viens ce soir te dire que Jésus t'aime. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Que Dieu a tant aimé le monde. Que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque. Afin que quiconque. 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 C'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est n'importe qui. C'est n'importe qui. Bien-aimé. Bien-aimé. Souvent on entend cette phrase. Souvent on entend cette phrase. On ne comprend pas le sens. On ne comprend pas le sens. On pense que. On pense que. Le quiconque sont les chrétiens. Le quiconque sont les chrétiens. Non. Quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui.
ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il a la vie éternelle. Bien aimé. Bien aimé. Ce qui compte là. Ce qui compte là. C'est comme moi. Je l'ai dans la prostitution. C'est comme moi. J'étais dans la prostitution. C'est comme moi. Bien aimé. J'étais dans la drogue. C'est comme moi. J'étais dans la drogue. C'est comme toi aujourd'hui. C'est comme toi aujourd'hui. Tu banalises la parole de Dieu. Tu banalises la parole de Mais Dieu. Mais ce qui compte là s'adresse à toi. Mais ce qui compte là s'adresse bien à toi. Bien aimé. Bien aimé. Moi que tu vois là, moi que tu vois là, j'étais comme toi hier, j'étais comme toi hier. Ne pense pas qu'on est né seulement. Ne pense pas qu'on est né. On a une vie antérieure. On a une vie antérieure. On a une vie passée. On a une vie passée. Là où on courait le mari des gens. Là où on courait le mari des gens. Là où on prenait aussi les gens en otage. Où la pauvre femme cherche son mari. Où la pauvre femme cherche son mari. C'est quand tu prends son salaire là. C'est que tu le renvoies à sa famille, à ses enfants, et puis n'ont rien à manger à la maison. Toi, tu ris, tu as coupé ton caillou, tu le maîtrises, parce que tu as des potions, parce que c'est des biens que tu fais, pour pouvoir maintenir ces hommes-là, bien-aimés, sous ton pouvoir. Mais le jour que Jésus-Christ, dans sa grande bonté, j'ai compris que ce n'était pas bon. J'ai compris que ce n'était pas bon. Et que moi aussi, je pouvais être dans la même situation. Et que moi aussi, je devais être ça pouvait être mon mari qu'on prenait en otage. Que cette femme-là. Bien aimé. Bien aimé. Est-ce que si c'était moi, ça allait me plaire? Est-ce que si c'était moi, ça allait me plaire? Et j'ai compris que je faisais du mal à ça. Et j'ai compris que je faisais du mal à ça. Mais malgré cela, bien aimé. Mais malgré cela, bien aimé. Jésus-Christ ne m'a pas condamné. Jésus-Christ ne m'a pas condamné. Il ne m'a pas condamné. Il ne m'a pas condamné. Bien qu'il est sûr. Bien qu'il est sûr. Que j'étais dans l'impudicité. Que j'étais dans l'impudicité. J'étais dans la prostitution. J'étais dans le maraboutage. J'étais dans le maraboutage. Parce que c'est secret là. Parce que c'est secret. On a utilisé aussi. On a utilisé aussi. Bien aimé. Bien aimé. On a pris des potions pour faire des toilettes. On a pris des potions pour faire des toilettes. Tu vas voir marabout. Tu vas voir marabout. Tu donnes le nom du monsieur. Tu donnes le nom du monsieur. On travaille pour te donner une potion. On travaille pour te donner une potion. Tu viens, tu mets la mystère. Tu viens, tu mélanges. Et puis tu vois. Tout ce qui sort de ta bouche là. Tout ce qui sort. Qu'est-ce que le monsieur va faire? Qu'est-ce que le monsieur va faire? On pensait que c'était la vie. On pensait que c'était la vie. On ne savait pas quand c'était ce tu. On ne savait pas qu'on était en train de se tuer. Je te rends ce témoignage pour que tu saches. Je te rends ce témoignage pour que tu saches. Que moi qui suis assise là. Que moi qui suis assise là. Devant toi. Devant toi. Je ne suis pas sainte. Je ne suis pas sainte. Mais c'est dans le même péché dans lequel tu te trouves. Je vais m'enlever. Dans le même péché de la main tu te trouves là. Bien aimé, c'est le péché dans lequel tu te trouves là. C'est là-bas Jésus m'a enlevé. C'est là-bas Jésus m'a enlevé. Pour que moi aussi je parle de lui. Pour que moi aussi je te donne mon témoignage. Pour que tu saches que Jésus t'aime. Pour que tu saches que Jésus t'aime. C'est pour toi. C'est pour toi qu'il est venu. Il est venu. C'est pour toi, bien-aimé. C'est pour toi, bien-aimé. Que Jésus est venu. Amen. C'est pour toi, bien-aimé. Que Jésus est venu, bien-aimé. C'est pour toi qu'il est venu ce soir pour te dire qu'il t'aime. Il t'aime malgré que tu es dans le péché. Il t'aime malgré que tu as trois copains, quatre copains, bien-aimé. J'ai garé deux habitants. J'ai deux ici. Et dans chaque ville où on s'en va là, tu as garé un là-bas. Et puis tu dis que tu es fidèle. Parce que chacun a son souffle. Ça, c'est la fidélité. On a fait tout cela aussi. Je te rends ces choses, ces témoignages, pour que tu saches que j'étais comme toi hier. Et puis le Seigneur Jésus m'a lavé. Il a fait de moi aujourd'hui sa chance. Il a fait de moi sa servante. Il a fait de moi, bien aimé, ce que je suis aujourd'hui que tu vois. Hier, lui, quand les gens vont se coucher là, on se couche comme tout le monde. Mais nos âmes la vont aller, on va en réunion. Les gens ont connu ce monde-là, sous le monde de la sorcellerie. Mais on a des réunions secrètes qu'on faisait. Parce qu'on vient des familles où on nous ont légué ces choses. On nous faisait croire que la sorcellerie, c'est un héritage normal. Donc on doit le faire, c'est un pouvoir. Donc j'ai ce pouvoir-là, j'avais ce pouvoir du moins. Et puis j'avais encore d'autres choses. Comme les alliances avec les marabouts. Tout cela pour faire quoi? Pour régner. Pour régner où? Sur la terre que tu vois là. Mais le Seigneur Jésus m'a fait comprendre que ces choses-là, c'est le plaisir du corps, la chair que tu vois là. Encore toi-même, tu sais que quand quelqu'un meurt là, c'est sa chair-là qu'on enterre. Mais il y a une autre vie après la mort. Et c'est cette vie-là qui est importante. Bien-aimé, c'est de cette vie-là qu'on doit s'occuper. Et quand Jésus m'a fait la grâce de comprendre cela, bien-aimé, j'ai abandonné les œuvres de la sorcellerie. J'ai abandonné la prostitution. J'ai abandonné le maraboutage. J'ai abandonné le faux témoignage. J'ai abandonné le mensonge. J'ai abandonné l'hypocrisie, la colère. J'ai abandonné toutes ces choses, bien-aimé. Pourquoi tu me vois aujourd'hui? Pourquoi je te parle?
Pour que tu saches là où tu es là, toi aussi tu peux sortir. Si le Seigneur Jésus m'a fait grâce, il peut te faire grâce aussi à toi aussi. Parce qu'il a dit de sa parole, que tout ton croit en sa parole soit sauvé. Mon sorcier que j'étais, j'ai cru en sa parole. Prostituée que j'étais, j'ai cru en sa parole. Menteuse que j'étais, j'ai cru en sa parole. Quand j'ai cru, il m'a sauvé, bien aimé. Il peut te sauver aussi. Toi qui es dans la drogue, Jésus peut te sauver. Il t'aime. Il suffit juste de l'accepter. Il suffit juste, bien aimé, d'écouter cette parole et de prendre conscience que là où tu es, ce n'est pas ta place. Parce que Dieu t'a destiné à des choses meilleures que ce que tu es en train de vivre ce soir. Jésus t'a destiné à des choses meilleures, bien aimé, que ce que tu as dedans présentement. Bien aimé, aujourd'hui, je dors en paix. Je rentre dans ma maison, je dors. Parce qu'avant là, on pensait qu'on était dans les bonnes choses. Mais quand tu te couches là, ton cœur bat. Parce que si tu n'es pas parti en réunion, tu as problème, tu as rendu compte. Maintenant, on te demande de faire certaines choses. Que toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu es obligé de faire. Parce qu'il y a ton maître qui est là-bas là. Si tu n'as pas fait, ils vont te montrer quelque chose. C'est malgré nous. Malgré toi que tu es dedans. Parce que si tu n'as pas atteint certains degrés, tu ne peux pas commenter. Mais comme pour le moment tu es petit, tu es obligé de subir. On va t'obliger à faire certaines choses. À tuer des innocents. À donner des innocents. À mettre des barrages sur la route invisible. Et puis les voitures font accident. Des personnes vont mourir, tu ne les connais même pas, tu ne connais pas les familles. Mais tu as mis parce qu'on te l'a demandé. Et ce sang, tu vas le recueillir pour aller rendre compte à celui qui t'a envoyé, bien aimé. Mais tous ces gens étaient dans des prisons. Aujourd'hui, je dors en paix. Personne ne vient me chercher. Aujourd'hui, là, je n'ai pas besoin de faire devoir occuper de quelqu'un. Bien aimé, tu n'as pas besoin de montrer en public à quelqu'un. Tu peux croire que c'est pour toi. Alors qu'en réalité, il n'est pas pour toi. Mais ces hommes-là, bien aimé, ils te demandent des choses que toi-même, tu ne veux pas. Mais à cause de l'argent, tu es obligé de commettre ces choses-là. C'est une prison. Bien aimé, je te dis ces choses ce soir pour que tu prennes conscience. Réponds-toi, que tu n'es pas obligé d'être dans ces choses. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé d'être dedans. Tu n'es pas obligé ce soir, même. Jésus vient te dire qu'il t'aime encore. De la même manière, il m'a dit que je m'aime. Et que j'ai pris conscience que ce n'est pas bien. Et que j'ai pris conscience que ce n'est pas bien. Et j'ai accepté. Je n'ai pas eu peur. J'ai accepté le Seigneur. J'ai pas eu peur. Quand je lui ai donné ce hoc-là, il m'a protégé. Il m'a protégé. Tous ces esprits qui venaient me menacer. Tous ces esprits qui venaient me menacer. Ils vont me tuer. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui je suis encore vivante. Aujourd'hui je suis encore vivante. Aujourd'hui c'est moi qui marche. Aujourd'hui c'est moi qui marche. C'est moi qui le commande. C'est moi qui le commande. C'est ce que je dis qu'ils font. Parce que je dis plus le contraire. Mais il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour toi aussi. Il suffit juste, bien aimé, en ce soir, d'accepter le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte tout simplement qu'il soit ton maître et ton Seigneur. Qu'il soit ton maître. Jésus t'a dit ce soir qu'il t'aime. Jésus t'a dit. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi, bien aimé. À la croix de Golgotha. C'est qui t'a classé, toi le pécheur. C'est toi le musulman. C'est toi, bien aimé, qui es dans une secte. C'est toi qui te trouves dans les œuvres de la sorcellerie. C'est toi qui te trouves dans la prostitution. C'est de toi que Jésus parle. Le sacrifice à la croix de Golgotha. Les gens parlent de ça. Tu entends, mais tu ne comprends pas le sens, bien aimé. Il a pris tes péchés pour que toi tu sois libre. Et que tu acceptes encore d'être bien aimé de la prison. Pourquoi? Pourquoi bien aimé? C'est comme si on te disait que ton enfant est à la prison civile. Et il y a quelqu'un qui a quitté Abidjan. Un avocat. Et puis il est venu la plaider pour ton enfant. Il a payé le prix pour ton enfant. On dit l'enfant n'a qu'à sortir. Toi tu l'attends à la maison ici. Et puis dis-donc lui il ne sort pas parce qu'il a trouvé des camarades là-bas. Donc pour lui, la prison est devenue une maison pour lui, bien aimé. Si tu entends cette parole et que tu résistes, c'est la même chose que tu es en train de faire. C'est la même chose que tu es en train de faire. Jésus a payé le prix pour toi. Pour que tu sortes de la prison de la sorcellerie. Pour que tu sortes de la prison de la prostitution. Pour que tu sortes de la prison de l'homosexualité. Bien aimé, on est passé dans toutes ces choses à cause de l'argent. On est passé dans toutes ces choses à cause de l'argent. Juste pour avoir le pouvoir. Juste pour avoir le pouvoir. Moi que tu vois là, j'étais devenu garçon. Moi que tu vois, j'étais devenu garçon. Avec ça, avec tout ce que Dieu m'a donné là. Je dis, je vais être garçon. Je dis, je vais être garçon. Bien aimé, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tu te perds. Tu te perds. Tu te perds. Tu te perds. Parce que, bien aimé, ce que Dieu a mis en la femme. Bien aimé, ce que Dieu a mis en la femme. Toute notre richesse se trouve dans nos entrailles. Notre bénédiction se trouve dans nos entrailles. Bien aimé, mais quand tu donnes cela à ta camarade de femme, quand tu donnes cela à n'importe qui, à n'importe quel homme, on te vit, c'est comme une caisse dans laquelle il est rempli de pierres précieuses.
Et puis chaque personne, tu as pris ta clé, tu as dit, tu lui fais clé minute. Et puis chacun allait faire sa clé minute. Les hommes que tu vois là, et tu t'es accouché là, ce sont des clés minutes qu'ils ont fait. Donc chacun vient ouvrir ton trésor. Et puis il se sert. Mais là, il n'y a rien dans ton âme. Il n'y a rien de vide. Tu es vide. Tu es vide. Et à 45 ans, à 48 ans, tu continues de mettre un tissu sur ta tête. Mettre venir. Mais tous ces choses, parce que tu penses que c'est en mettant ces choses-là que quelqu'un va encore te regarder. Bien-aimé, la seule personne qui est capable de te restituer tes choses, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. Parce qu'ils m'ont tout pris. Ils m'ont vidé. Je n'étais plus rien. Je t'ai vu. Mais qui n'est pas avant. Le Seigneur Jésus m'a restitué. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé. Il t'a créé. Donc ce qu'ils ont pris là, lui peut recréer pour mettre en toi. C'est comme ça que le Seigneur Jésus m'a rempli à nouveau. Comme si on venait de m'accoucher. Toutes mes grâces sont revenues à moi. Bien-aimé. Il va te redonner tout. Mais il te demande une seule chose. 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 Accepte-le. Accepte-le. Accepte son sacrifice. Accepte son sacrifice. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Bien-aimé. Le Seigneur m'appelle grâce. Le Seigneur m'appelle grâce. Dans une vision de le voir sur la croix. Dans une vision de le voir sur la croix. C'est quand on vous montre dans les films qu'ils ont fait là. Quand on vous voit dans les films qu'ils ont fait. C'est pour ne pas choquer votre sensibilité. C'est pour ne pas choquer votre sensibilité. Mais le Seigneur a été crucifié. Le Seigneur a été crucifié. Et la manière dont tu t'en vas te laver là. La manière dont tu as été. Quand tu rentres dans la douche là. Quand tu rentres et puis tu te laves là. C'est comme ça il a été mis sur le poteau. C'est comme ça il a été mis. Une humiliation totale. Une humiliation totale. Il a pris ton humiliation. Il a pris ton humiliation. Ta malédiction. Il a pris ta malédiction. Pour que toi tu sois béni. Pour que toi tu sois béni. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu refuses la bénédiction. Tu refuses la bénédiction. En refusant d'accepter Jésus. En refusant d'accepter Jésus. Tu refuses la bénédiction. En refusant d'accepter Jésus. En refusant d'accepter Jésus. Tu refuses la main qui te tend. En refusant d'accepter Jésus. En refusant d'accepter Jésus. Tu refuses ta libération. En refusant d'accepter Jésus. Tu refuses ta paix. Je viens te dire ce soir. Je viens te dire ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne vient pas pour te condamner. Il ne vient pas pour te condamner. Je viens de te rendre mon témoignage. Je viens de te rendre. Il ne m'a pas dit que comme tu es sorcier, il ne te libère pas. Il ne m'a pas dit que comme tu es prostituée, il ne te libère pas. Comme tu as pas. Il ne m'a pas dit que comme bien-aimé. Bien-aimé. Ma fille, regarde, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Il ne m'a pas indexé du doigt. Il ne m'a pas indexé du doigt. Il dit je t'aime. Il dit je t'aime. Il dit je t'aime, ma fille. Il dit je t'aime, ma fille. Il dit je t'aime. Il dit je t'aime. Si tu m'acceptes. Si tu m'acceptes. Je vais te délivrer. Je vais te délivrer. C'est comme ça que je suis sorti de la prostitution. C'est comme ça que je suis sorti de la sorcellerie. C'est comme ça que je suis sorti du mensonge. C'est comme ça que je suis sorti de la colère. Bien-aimé. Femme, tu frappes garçon, tu vas le mettre chez lui. Mais on a reçu ça de nos parents, on dit c'est héritage. On dit c'est héritage. Chez nous là-bas, les femmes là, on finit à toi. Et puis, il n'y a rien. Y a rien. Mais si je te mets chez moi à la maison, il dit toujours à moi, tu vas sortir. Voilà pourquoi on n'a pas foyer, puis on assiste chez nos parents là. Mais ce démon là, Jésus a chassé. Amen. Il m'a libéré. Amen. Il peut le faire pour toi. Aussi. Les alliances de famille qui te fatiguent là. Toujours. Et puis à chaque fois, on dit que tu es bien. Mais quand il y a un petit quelque chose net là, ce démon connaît, ça se manifeste. Et puis on dit, hey, je ne savais pas que tu fais comme cela. Bien-aimé, Jésus ne te condamne pas ce soir. Il te condamne. Il vient pas. Juste te dire. Il te dit ce soir. Qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Que c'est à cause de toi qu'on l'a humilié. Que c'est à cause de toi qu'il t'a. Il y a 2024 ans de cela. Il est mort pour toi sur un poteau. Il est mort pour toi. Dans le temps ancien là, c'est les bandits, les brigands. Les brigands. Il aimait qu'on pendait sur le bois. Le bois du supplice, c'est parce qu'ils ont trop péché. Ils ont trop fait le mal. Donc on leur rend le mal qu'ils ont fait. Mais il avait fait quel mal pour qu'on le crucifie? Rien. Il avait fait quel mal pour qu'on le mette sur le poteau? Rien. Mais il savait qu'aujourd'hui, toi qui es né hier là, tu allais être dans l'homosexualité. Il a pensé à ça et puis dit, je vais mourir à la croix pour elle. Il savait qu'aujourd'hui, tu es voleur, tu casses maison. Oui, il dit, je l'aime. Malgré qu'il est comme ça, mais je vais mourir sur la croix pour lui. Pour que quand il va se souvenir de mon sacrifice, il va sortir de là. C'est comme ça, un jour, quand je me suis souvenu de son sacrifice, par sa grâce, je suis sorti de là, bien-aimé. C'est pour que toi aussi tu sortes de là. Pour que toi aussi tu sortes. Toi qui entends ce soir ce témoignage. Toi qui entends ce soir ce témoignage. Ce soir cette parole, bien-aimé. Ne pense pas que tu es condamné. Ne pense pas que Jésus ne peut rien faire à toi. Parce que si nous sorciers qu'on était, si Jésus est fait de nous, il dit c'est chantre. Et qu'on chante depuis des passants danses, c'est parce que Dieu est présent. C'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il est capable de faire des changements. Bien-aimé, ce Jésus est capable de faire un changement dans ta vie. Amen.
des menteurs qu'on était hier. Aujourd'hui, on prend la parole. On dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Et puis, change sa vie, bien-aimé. Il peut le faire pour toi. Ne doute pas. Ne doute pas. Toi, tu es en train de raisonner dans ton cœur. Le Seigneur me donne cette parole pour toi. Tout ce que tu es en train de dire, c'est ce que moi aussi j'ai dit. Nous, on est comme ça là. Jésus aussi nous regarde. Il n'est pas venu. La parole de Dieu déclare que il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu. Il est venu pour les malades comme nous là. Nous qui sommes malades comme cela là. C'est à cause de nous il est venu. Donc toi tu es en train de raisonner dans ton cœur là. Jésus dit que c'est à cause de toi il est venu. C'est à cause de ta maladie il est venu. Tu as vu non? Nous on est bien portants, on a dansé non? Ceux qui sont malades sont à l'hôpital. Donc la maladie dont tu souffres là, tu es le mensonge qui sort de ta bouche là. Et puis après, certainement tu vois, tu as honte de toi de parler là. Jésus dit que c'est à cause de toi il est venu. C'est à cause de toi. Il peut guérir la maladie qui est mensonge. Il dit. Le monsieur a dit tu es là. Et puis il fait tout pour toi là. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Il te ment. Il te ment. Et puis l'entrée était volée. Tu peux sortir de là. Tu peux sortir de là. De la même manière, je suis sorti de là. De la même manière, je suis sorti de là. Faut pas va te blaguer, hein. Faut pas te blaguer. Bien aimé, sois parti en douceur, moi. Tu pensais que j'étais chic dans la maison des gens. Mais si revenir à Gagnon. Pour te faire comprendre que là-bas, là, c'est pas chez toi. On te prend pour un moment. Et comme il a payé son argent, n'importe quel un, il est sur toi. Toi-même, tu es fatigué, mais tu ne peux pas dire non. Bien aimé, il faut sortir de là. Je te rends mon témoignage, il te dit ça, pourquoi tu sors de là? Pourquoi tu te rends compte que c'est pas pour toi? Parce que quand on vole là, c'est doux. Donc il en profite, il sait qu'il ne va pas te gagner encore. Donc il en profite, ce qu'il n'a pas payé là, c'est ça, il prend tout. Il faut sortir de là, ma soeur. Il n'y a rien dedans, il est en train de voler. Il est en train de te voler, il faut sortir de là. Prends ta décision, Jésus va te changer. Il te fait croire, l'esprit te fait croire que tu ne peux pas sortir de là. Hein. Il est en train de convaincre que c'est faux, tu ne peux pas sortir. Si tu le refuses, les oiseaux du ciel là, ils n'ont pas chance de rien, ils mangent. Jésus va prendre soin de toi. Jésus va prendre soin de toi. Jésus va prendre soin de toi. Ça va t'étonner, mais Jésus va prendre soin de toi. Il faut juste refuser. Quitte cet homme là, il faut le quitter. Il faut le quitter, ce monsieur. Il faut le quitter. Ce qu'il réserve pour toi demain, c'est pas bon. Bien aimé, ce que le monsieur là est réservé devant toi là, c'est pas bon. Il faut le quitter. Il faut sauver ta vie. Faut sauver ta vie, sois béni, bien aimé. Écoute cette parole et puis sors de là. Faut sortir de cette relation. Sors de cette relation. C'est pas pour toi. Faut sauver ta vie. Jésus te réserve mieux. Sors de là. Jésus te réserve mieux. Jésus te réserve mieux. Faut sortir de là, bien aimé. Sors de là, bien aimé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est celui qui t'aime qui te dit qu'il y a un danger devant toi. C'est pourquoi ce soir il est venu te dire qu'il y a un danger devant toi. Pour que tu sors de cette relation là. Pour que tu sors de cette relation. Pour que tu sors de cette relation, bien-aimé. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Que le Seigneur te donne la force. Il te donne la force, bien-aimé. Que tu sors de là. Que tu sors de là. Sois béni. Bien-aimé. Bien-aimé. Celui qui entend cette parole ce soir. Celui qui entend cette parole ce soir. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il t'aime. Il t'aime. Il dit. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas. C'est parce que tu ne savais 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 pas. Que tu menais cette vie. Que tu menais cette vie. Mais lui. Il te tend la main. 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 Avec tout ce que tu as fait. Avec tout ce que tu as fait. Avec toutes les vidéos que tu as postées. Avec toutes les vidéos que tu as postées. Toutes les vidéos pornographiques que tu as postées. Toutes les vidéos pornographiques que tu as postées. Il va les effacer. Il va les effacer. Pour que tu sois saine. Pour que tu sois saine. Reviens à lui. Reviens au Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Son sacrifice à la croix, bien-aimé. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous qu'il est mort. C'est parce qu'il nous aime. 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 Et un papa aime ses enfants là. Un papa aime ses enfants. C'est qu'il fait là. C'est qu'il fait. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Pour qu'à travers toi. Pour qu'à travers toi. Ta famille soit sauvée. Ta famille soit sauvée. Pour qu'à travers toi, bien-aimé. À travers toi. Ton village soit sauvé. Ton village soit sauvé. Ta vie soit sauvée. Ta vie soit sauvée. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Il t'aime. Il t'aime. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il t'appelle juste à la réponse. Il t'appelle juste à la réponse. Il dit. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Que lui t'a
créé. Et que ce que tu es en train de faire là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Reviens à lui. Reviens à lui. Jeune homme. Jeune homme. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir. Il t'aime. Il t'aime. C'est devenu effet de mode. C'est devenu effet de mode. La drogue. La drogue. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On parle de hoodie. On parle de hoodie. Ça te tente. Ça te tente. Parce que les gens ont fait une publicité. Parce que les gens ont fait une publicité. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ça rit. Ça rit. Bien-aimé. Bien-aimé. Seigneur Jésus te dit. Le Seigneur Jésus te dit. Il t'aime. Il t'aime. Toi qui le mords. C'est pour toi qui le mords à la croix de Golgotha. Malgré toutes ces tentations. Malgré toutes ces tentations. Malgré que tu t'es déjà jeté dedans. Malgré que tu t'es déjà jeté dedans. Il te dit. Il te dit. Qu'il t'aime toujours. Qu'il t'aime toujours. Juste. Que tu acceptes. Que tu acceptes. Sa parole ce soir. Sa parole ce soir. Abandonne ce que tu fais. Abandonne ce que tu fais. Reviens à lui. Et reviens à lui. Quitte, bien-aimé, le péché dans lequel tu te trouves. Quitte le péché dans lequel tu te trouves. La drogue que tu consommes. La drogue que la tu cigarette. Consommes. La cigarette. Ces vices qui te fatiguent. Le vol. Le vol. Il dit sort de là. Il dit sort de là. C'est pour toi qu'il est venu c'est ce soir. Qu'il est venu. Il est venu te tendre la main. Il est venu te pour te dire qu'il t'aime encore. Il te dit tiens encore. Il t'aime 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 encore. Écoute sa parole. Écoute sa parole. Entends sa voix. Entends sa souvent voix. Tu es là. Souvent tu es là. Et puis tu te demandes ma vie là même c'est comment. Et tu te demandes ma vie là même. Mais la question que tu te poses, c'est lui qui te l'amène dans ton cœur. La question que les questions que tu te poses, c'est Jésus qui l'amène dans ton cœur. Pour que tu saches que là où tu es, ce n'est pas ta place. Que là où tu es, ce n'est pas ta place. Mais ta seule issue. La seule voie de sortie, c'est Jésus-Christ. La seule voie de sortie, c'est Jésus-Christ. Il te tend la main, saisis sa main. Il te tend la main, saisis sa main. Saisis la main de Jésus. 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 Il t'aime. Il t'aime. C'est lui seul qui peut te sortir de là. Il te donnera la force d'abandonner ces choses. Il te donnera la force, bien-aimé. Il te donnera la force de sortir de là où tu es. De sortir de là où tu es. Sois béni. Sois béni. Si quelqu'un entend cette parole, si quelqu'un entend cette parole, il s'attache à la parole de Dieu. Il s'attache à la parole de Dieu. Il s'attache à Jésus-Christ. Il s'attache à Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, serviteurs, servants de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la force. Alléluia. À la croix, il a tout payé. Il a tout payé. À la croix, il a tout payé. Il a tout payé. À la croix, il a tout payé, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, il a tout payé. Bien aimé, il a tout payé, il a tout payé. Ma soeur Jésus a tout payé, il a tout payé. Il s'est crucifié pour toi, il a tout payé. Il a versé son sang pour toi, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, à la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout payé. Il a payé pour ta liberté. Il a tout payé. Jésus a payé pour ta liberté. Il a tout payé. Il a payé pour ta santé. Il a tout payé. Jésus a payé pour ton salut. Il a tout payé. À la croix, il a tout payé. Il a tout payé. Ma soeur, à la croix, il a tout payé. Il a tout payé. Mon frère, à la croix, il a tout payé. Il a tout payé. À la croix, il a tout payé, il a tout payé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a payé tout pour toi. Le Seigneur a payé tout pour toi. Tout ce que tu ne peux pas imaginer. Tout ce que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Amen. Il a payé pour ton salut. Il a payé pour ton salut, bien-aimé. Parce que c'est lui qui nous a envoyé sur la terre ici. C'est lui qui nous a envoyé sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà préparé ton paradis. Le Seigneur Jésus a déjà préparé ta place au paradis. C'est pourquoi ce soir il te tend la main. C'est pourquoi ce soir il t'appelle et bien il te tend la maison porte ton nom au ciel là-bas. Il y a déjà ta maison au ciel. Tu as déjà ta maison au ciel. Il y a déjà ta maison au ciel, bien aimé. Mais l'ennemi te fait croire que c'est sur la terre seulement que le paradis va se limiter. L'ennemi te fait croire qu'après la mort, il n'y a plus de vie. L'ennemi te fait croire que ce monde que nous vivons, après la mort, il n'y a plus de vie. L'ennemi te fait croire que tout se limite sur cette terre. Ce soir, je vais te dire, bien aimé. Ce soir, bien aimé.
Jésus-Christ. Jésus-Christ. Son sang est versé pour te réserver une place au ciel. Son sang est versé pour toi, pour que tu sois sauvé. Pour le salut de ton âme. Pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Parce que tu peux pas être... Nous tous, nous savons quand nous partons dormir là. Quand nous partons dormir, bien aimé. Nous faisons les songes. Nous faisons des songes. Tu te vois souvent. Souvent tu te vois. Tu te vois souvent dans un autre endroit. Tu te vois souvent dans un autre monde. Tu te vois souvent peut-être dans ton village ou bien à Abidjan, quelque part comme ça. Tu te vois dans un endroit où pendant tu es à Gagnon ici. Bien-aimé, toi qui te vois, ton image que tu vois l'autre côté là. Ton image que tu vois l'autre côté. C'est de ça que le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur est mort. C'est pourquoi le Seigneur s'est donné à la croix pour toi. C'est à cause de cette âme que le Seigneur a donné sa vie à la croix. C'est à cause de l'âme que le Seigneur s'est donné à la croix. Parce que nulle âme, chère, n'a le pouvoir de maîtriser son âme. Autant alléluia. Cher, tu peux ton âme, autant cher, tu peux pas contrôler ton âme. Tu ne peux contrôler ton âme, bien-aimé. Tu ne peux même pas, tu ne peux pas téléguider ton âme. Tu ne peux pas commander ton âme. Commander ton âme, alléluia. C'est le Seigneur qui a le pouvoir. C'est le Seigneur seul. Parce que après la chair, il y a l'âme qui va rentrer au Créateur. Après la mort, bien aimé, ton âme ira au Créateur. C'est pourquoi on a toujours l'habitude de dire, quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. On dit il a rendu l'âme. Mais à qui il a rendu cette âme? À qui tu rends ton âme, bien aimé? À qui tu t'es une fois posé question? La personne qui est morte, et puis toi tu dis il a rendu l'âme. La personne qui est morte et petit, son mais âme il a rendu l'âme à qui? À qui son âme est rendue? Bien aimé, ce soir je vais te dire. Ce soir je te dis quelque chose. Le maître de l'âme c'est Jésus de Nazareth. Le maître de l'âme c'est Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi? C'est pourquoi? Il est parti à la croix pour ça. C'est pourquoi il s'est donné à la croix pour cela. C'est pourquoi il a versé son sang. C'est pourquoi son sang est versé. Parce que ton âme lui coûte cher. Parce que ton âme a du prix à ses yeux. Bien aimé. Bien aimé. Ton âme lui coûte cher. Ton âme lui coûte très cher, bien aimé. C'est pourquoi ce soir. C'est pourquoi ce soir. Il te tend la main. Il te tend encore la main. Jésus-Christ est encore, son amour est encore immense. Ton amour est encore immense. Sa grâce est encore disponible pour toi. Sa grâce est encore disponible pour toi. Alléluia. Amen. Pour toi qui n'arrives pas à sortir du péché. Pour toi qui n'arrives pas à sortir du péché. Jésus-Christ te tend la main. Jésus te tend la main ce soir. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est vrai, souvent il arrive parfois où toi-même tu prends des décisions. Il arrive parfois où tu prends des décisions. Où tu dis aujourd'hui j'arrête. Aujourd'hui j'arrête. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'arrête. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Quelques bouts, quelques semaines après. Quelques temps après, bien aimé. Tu reviens encore dans ton vomi. Tu retombes dedans. Tu retombes dans la décision que tu avais dit que tu ne vas pas faire. Tu retombes dedans. Bien aimé, c'était mon cas. Bien aimé, c'était mon cas. Moi j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie. J'ai pris beaucoup de décisions. Lorsque je croisais le Seigneur Jésus. Lorsque je croisais le Seigneur Jésus. Bien aimé. Bien aimé. J'ai essayé de prendre les décisions. J'ai essayé de prendre les pour décisions. Pour abandonner les péchés. Pour abandonner le péché. Surtout le péché de la sexualité. Et surtout le péché de la sexualité. Oui. Parce que le péché de la sexualité m'a beaucoup fatigué, bien aimé. Le péché de la sexualité m'a beaucoup fatigué. Alléluia. Amen. Je suis une fille gentille au quartier. Je suis une fille gentille au quartier. Il n'y a pas de nom dans ma bouche. Il n'y a pas de nom dans ma bouche. Celui qui vient, je vais avec lui. Celui qui vient, je dis oui. Alléluia. Amen. Et parfois, ça m'arrivait, ça me faisait tellement mal quand je me retrouve seul. Parfois, étant seul, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et je prends les décisions pour dire non, je ne veux plus. Je dis, je ne veux plus. Souvent, c'est moi-même, d'après les gens, je dis, je bras. C'est moi-même, je dis au monsieur, je ne veux plus. C'est moi, il dit c'est bon. Alléluia. Amen. Et après encore, je retombe là-dedans. Après, je retombe. Mais celui qui m'a donné la force. Mais celui qui m'a donné la force. D'arrêter cette vie de débauche. D'arrêter cette vie de débauche. D'arrêter cette vie de concubinage. D'arrêter cette vie de concubinage. Parce qu'aller vivre avec quelqu'un. Aller vivre avec quelqu'un. Sans qu'il ne te dote. Sans qu'il paye ta dot. Devant le Seigneur Jésus. Devant le Seigneur Jésus. C'est un péché. C'est un péché. Et le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Celui qui m'a donné cette foi d'abandonner cette vie. Celui qui m'a donné cette foi d'abandonner cette vie. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais si tu cries à lui. Bien, mais si tu cries à lui.
Jésus crie à lui d'abandonner quelque chose. Que tu n'arrives pas toi-même. Que toi-même ta force ne peut pas. Ta force ne peut pas. Bien-aimé, je te souhaite d'évoquer Jésus de Nazareth. Appelle Jésus, bien-aimé. Il est là. Il t'attend, il te voit, bien-aimé. Il t'entend, appelle-le. Toi qui es dans l'alcool. Toi qui ne peux pas abandonner l'alcool. Tu ne peux pas abandonner l'alcool. Tu ne peux pas abandonner l'alcool. À chaque week-end. Chaque week-end. Bien-aimé, après samedi, dimanche, tu tombes malade. Il tombe malade. Lundi, tu es malade, mardi, tu es malade, mercredi, tu te rétablis. Jeudi, tu te rétablis, vendredi, tu prends encore les choses. Tu prends encore l'alcool. Alléluia. Amen. Souvent même là, souvent. Tu tellement tu as bu l'alcool jusqu'à tu rends. Tu as trop bu, tu vomis. Tu vomis jusqu'à ton estomac. Et tu prends une décision là qu'à partir d'aujourd'hui, je ne bois plus. Aujourd'hui là, je ne peux plus continuer. Je peux plus continuer. Je suis fatigué. Bien aimé. Laisse-moi te dire. Celui qui peut te libérer de cette prison. Celui qui peut te permettre d'arrêter cela. Celui qui peut te permettre d'arrêter l'alcool. D'arrêter l'alcool, bien-aimé. C'est Jésus. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un homme. Ni un féticheur. C'est Jésus. Parce qu'il a fait aussi pour moi. Quand j'ai aussi bu l'alcool. Oui, bien-aimé. Tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai consommé. Tu peux imaginer. En tant que femme. Quand on dit 31 décembre comme ça, là. 31. Je commence à partir de 18h. À 18h. Chaque minute, une bière. Chaque minute. Jusqu'à ce qu'on va dire, minuit va arriver, minuit tout le monde va crier janvier. Tout le monde va crier janvier. Quand minuit arrive comme ça. Quand minuit arrive. Quand je regarde derrière moi. Quand je regarde derrière. Bien aimé, deux casiers. De bière. Alléluia. Étant femme. Je vidais tous ces casiers, mélangés de Valpierre, mélangés de tout ce qu'on peut imaginer, bien aimé. Toutes les qualités d'alcool. Quand on dit dose là. J'ai tellement pris dose. Elle a pris sa dose. Alléluia. J'ai pris dose là où je suis arrêté. Elle a pris dose. Mais c'est la personne qui m'a transformé aujourd'hui. C'est Jésus de Nazareth qui m'a levé dans cette prison de la drogue. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai touché à la cocaïne. Bien-aimé. Où tu me vois? Où tu la j'ai vois? J'ai touché à la cocaïne. Elle a touché à la cocaïne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus m'a enlevé dans ce milieu. Jésus m'a enlevé dans ce milieu. Bien aimé. Jamais je suis parti jusqu'à encore loin. Elle est allée loin. J'ai pris les décisions. À cause de la situation de la famille, des problèmes, de la pauvreté. La pauvreté. J'ai dit je vais devenir prostituée. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'amourette. Je ne suis plus sentimental. Il n'y a plus d'amour dans mon cœur. Celui qui vient chez moi, on va traiter. C'est marché, alléluia. Et je partais dans ce sens. J'ai même mis mon pied là-bas. Mais Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. C'est lui qui s'est donné la croix pour moi. Bien-aimé. Il n'a pas cessé de dire, ma fille. Là où tu vas. C'est la mort. Bien-aimé, Jésus nous aime. Son amour. Un être humain ne peut pas se comparer à l'amour de Jésus. Un être humain ne peut le manifester. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. C'est le péché que Jésus n'aime pas. C'est à cause du péché. Quand il s'est donné à la croix. C'est pour dépouiller le péché. La puissance du péché. Qui est parti à la croix. Si tu cries à lui. Bien aimé. Il peut te délivrer de ce qui te fatigue. Il va te délivrer. Parce qu'il a fait pour moi. Bien aimé. Il a fait au moment où moi-même je ne m'en rendais pas compte. Je ne peux pas imaginer. Au moment où je vais me réveiller là. Où je vais m'en rendre compte. Je n'ai plus d'amour pour ces choses. Jésus m'a donné le dégoût pour la bière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit midi, 13h, quand il y a soleil comme ça. Bien aimé, je cours. Je vais me rafraîchir la gorge. Je vais descendre d'abord. Au moins deux grosses bières. Et puis je retourne. Dans mon coin. Alléluia. Amen. Après ça. Les strikers. Les droba. Les sachets. Les colaos. Tous ces coloris là. Comment on appelle ça? Ma, euh, euh, euh,
Amour, amour profond. Amour profond, toutes ces choses. Bien-aimés, nous avons consommé cela. Nous avons consommé cela. Nous avons consommé cela. Mais Christ te dit ce soir. Christ te dit ce soir. Ces choses sont contre ta vie. Ces choses ne vont pas arranger ta vie. Ces choses-là. Détruisent non seulement, même étant sur la terre ici, on détruit ta vie. Ça détruit ta santé. Et ces choses ne vont pas te permettre de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut t'en débarrasser. Débarrasse-toi. Mon frère. Ma soeur. Je suis venu te dire ce soir. Je suis venu te dire. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas encore tard d'abandonner. Il n'est pas tard d'abandonner. Crie seulement au Seigneur. Crie au Seigneur Jésus. Il dit. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Chargés. La dose te fatigue. Bien aimé, la cigarette te fatigue. Bien aimé, le maçon te fatigue. Le vol te fatigue. Tu peux pas voir femme passer. Pour dormir. Toutes les filles qui partent, tu dois tirer dessus. Bien aimé, Jésus dit. Si tu es fatigué de ces choses, viens à lui. Crie à Jésus, bien aimé. Il va te libérer. Jésus-Christ de Nazareth. Il va t'enlever dans cette prison. Il va te libérer, bien aimé. Alléluia. Amen. Parce que tu peux pas. Si tu restes dans ça, si tu restes dans ces choses, et que la mort vient te visiter, la mort te surprend. Bien aimé. C'est grave. Parce que sur la terre. Bien vrai que nous sommes là. Mais nous attendons. Il y a le paradis. Et puis il y a l'enfer. Bien aimé. Il y a deux chemins. Après la vie sur la terre. Il y a deux chemins. Et tu dois choisir un. C'est pourquoi Jésus t'appelle ce soir. Il dit je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Celui qui vient à moi. Je lui donnerai le repos. Alléluia. Amen. Christ n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. À toi qui es là. Qui m'attend. Jésus n'a pas changé. C'est à cause de toi qu'il t'aide encore. C'est à cause de toi qu'il n'est pas encore arrivé. C'est à cause de toi, ma soeur. Toi qui es encore dans le péché. Toi le péché tient encore. C'est pour toi que Jésus n'est pas encore revenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé. Ne dis pas que le temps t'appartient. Ne dis pas que tu as tout le temps. Le temps ne t'appartient pas. Parce qu'à l'heure où nous sommes, nous sommes à la fin des temps. Le monde tire sa fin. Le monde est en train de partir. La figure de ce monde est en train de se renverser. Le monde tire sa fin. Alléluia. Ce que tu ne voyais pas, ce que tu n'avais jamais vu. Dans ton pays. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Alléluia. Amen. Dis-toi que le temps est fini. Les temps sont finis. Regarde. Quand on se couche, au moment où tu vas tourner, le soleil te frappe à l'œil. Il fait déjà jour. Bien aimé, pour te dire que les temps sont finis. C'est pourquoi Jésus est venu ce soir. Toi, habitant de ce quartier. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Bien aimé. Le Seigneur t'étend la main. Jésus-Christ t'appelle. Bien aimé, Jésus t'appelle. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton héritage. Il n'a pas besoin de tout ce que tu peux imaginer. Mais ce qu'il a besoin, c'est ta vie. Il a besoin de ton âme. C'est pour ton âme que son sang est versé. Bien aimé. Ce soir. N'anticipe pas ton cœur. Car nous qui sommes ici. Nous qui sommes devant toi. Nous étions comme toi hier. Nous ne sommes pas mieux que toi, bien-aimé. Et même jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire que nous sommes saints. Nous traitons encore les choses qui sont encore en nous. Par la grâce du Seigneur Jésus. Continuons encore, bien-aimé. Nous continuons jusqu'à ce qu'il vient nous prendre.
Personne n'est saint sur la terre ici. Personne n'est parfait, bien-aimé. Bien-aimé, si tu le veux, si tu le veux, tu vas pardonner concubinage. Pardonner cela. Concubinage, tu es dedans. Concubinage, tu es dedans. Le monsieur a fait deux enfants et toi. Il a fait deux enfants. Il a fait trois enfants. Il a fait trois enfants. Il a fait dix ans. Il a fait dix. Il a fait quinze ans. Quinze ans. Bien-aimé, ton temps est en train de finir. Et il n'a même pas encore. Il n'a pas encore. Même petit coco. Il n'a pas encore. Il n'a pas encore fait cela. Tes enfants même sont devenus grands. Tes enfants sont grands. Et ils doivent commencer à faire leur enfant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe esclave pour quelqu'un. Tu n'es pas n'importe esclave. De là où tu te trouves, quel que soit le nombre d'enfants que tu as, avec ce dernier, prends une décision. Comme la sœur veut de le dire, sors de celui, va en famille. Si tes parents ne vivent plus, si ta mère n'est plus là, la maison de ta mère, de ton père est là. Assieds-toi devant la porte de ton père. Celui le Seigneur a désigné depuis le sein de ta mère. Avant que tu ne viennes sur cette terre, malgré que tu seras dans le trou où les gens ne te voient pas, cet homme va venir te trouver là-bas. Amen. Et si le père de tes enfants aussi est celui que le Seigneur a prévu, quand tu vas prendre cette décision, ma soeur, le Seigneur va toucher son cœur et il va venir te chercher. Arrête de t'humilier, ma soeur. Arrête cela, bien-aimé. Arrête de te dévaloriser, bien-aimé. Tu as du prix aux yeux du Seigneur Jésus. Aux yeux du Seigneur. Femme. Tu es un trésor. Tu es un trésor, femme. Regarde. De la manière qu'on creuse l'or. Et qu'on souffre. On enlève la première terre. On enlève la terre. On enlève les potopotos. L'herbe. On fait tout. La boue. On met des calabasses. On filtre. On est en train de chercher l'or. C'est comme ça que tu es, ma soeur. C'est de cette manière que tu es. C'est comme ça, Jésus te voit, bien-aimé. Alléluia. Tu n'es pas arraché de ces 25 francs. Tu n'es pas orange à 50 francs. Tu n'es pas au prix des bananes douces. Tu n'es pas au prix d'aubergine. Tu n'es pas au prix d'un chéquet. Sors de ces choses, bien-aimé. Tu n'es pas au prix d'un poulet. Sors de ces choses. Tu n'es pas au prix d'un morceau de porc. Sors de ces choses. Femme. Sors de ces choses. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il est le meilleur époux. Jésus te tend la main. Tu peux abandonner cette vie. Tu peux laisser cette vie-là. Alléluia. Amen. Les gens à côté n'ont qu'à dire tu es devenu vieille. Les gens à côté n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais toi. Regarde. À ton salut. Regarde. À ton salut. Bien-aimé. Le Seigneur n'est pas contre le mariage. Il veut seulement la dot. Il veut seulement la dot. C'est ce qui est écrit dans la parole. Est-ce que la Bible reconnaît? Le mariage à la mairie, c'est bien beau. Mais si tu vas rester dans ça, à quel moment le monsieur va avoir 1 million? À quel moment il va avoir 500 000? À quel moment il va avoir cet argent pour pouvoir organiser ce grand mariage? Et s'il va être doté? Commence par là, ma bien-aimée. C'est là que le Seigneur t'attend. Dis à ton mari, dis à ton conjoint qu'il vienne voir tes parents et qu'il fait la dot. Alléluia. C'est la dot que le Seigneur reconnaît. C'est la dot que le Seigneur Jésus reconnaît. Après avoir fini la dot, si vous avez les moyens maintenant, vous pouvez aller à la mairie devant les autorités. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de nous fatiguer. Nos mères, avant, c'était la dot. Il n'y avait pas de ces choses à Europe de mariage, quoi, rentrer ici, sortir ici. Et le monsieur est là, il calcule, il ne peut pas partir là-bas. Parce que ces moyens n'arrivent pas là-bas. Ma soeur, arrête d'être compliqué. Dis au monsieur, viens me doter. Alléluia. Dis au monsieur, viens me doter. Et toi, tu as le péché de la débauche.
Et toi, tu annules ce péché de la débauche aux yeux du Seigneur. Tu es béni. Alléluia. Amen. Si le monsieur t'a doté, si tu, n'es plus dans le péché de débauche. Dans le péché. Alléluia. Amen. La bénédiction du Seigneur même va venir sur toi. La bénédiction va venir. Et il va ouvrir les portes. Ouvrir les portes avec toi. Ce que tu veux, que ton mari te donne, il va le faire. Il va le faire. Arrêtons de compliquer. Arrête d'être compliqué, toi-même tu te retardes. Tu te retardes, tu te retardes. Non, ma soeur, je suis allé au mariage de ma camarade, ma cousine. C'était vraiment, oh, c'était beau. Il veut la même chose. Tu veux la même chose. Bien aimé. Bien aimé. C'est dans la même chose là, tu es le monsieur avec toi, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Après même là, si tu ne fais pas attention, on va te dire, tu es devenu vieux, il faut partir. Alléluia. Il va te dire, tu es devenu vieux, il faut partir. Et quand tu vas sortir de ce foyer, c'est toi qui vas aller sur le marché. Aller prendre les pommades et les make-up. Cette peau froissée là. Tu vas aller maintenant te brûler la peau. Tu vas te maquiller, tu vas te mettre un petit pantalon. Et les petits garçons du quartier, ils vont commencer à t'appeler vieille mère. Vieille mère, vieille mère, vieille mère. Les petits garçons du quartier. Quitte ces choses, bien aimé. Alléluia. Abandonne ces choses. Tu n'es pas à cette valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix, bien aimé. Arrête. Arrête. Dis aux gens qui ne t'appellent plus vieille mère. C'est ça qui se dit. Alléluia. Amen. Dis aux gens que je ne m'appelle plus vieille mère. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas vieille mère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Il est là pour toi, bien-aimé. Pour toi ce soir. Jésus. Jésus. Il est là pour toi, bien-aimé. Là pour toi ce soir. Jésus. Jésus. Il est venu ce soir. Il est venu ce soir. Pour toi. Pour toi. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te condamner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ t'étend la main ce soir. La main ce soir. Christ t'étend la main ce soir. Christ t'étend la main ce soir. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Et tu auras la paix du cœur. Et tu auras la paix du cœur, bien-aimé. Tu auras la joie. Tu auras la joie. Alléluia. Amen. Il dit, je vous donne ma paix. Il dit, je vous donne la paix. Je ne donne pas cette paix de la manière le monde donne. Il dit, il ne te donne pas cette paix. Quand tu veux retrouver la paix du monde, c'est autour du funérail. Après avoir récupéré le corps à la mort, on dépose le corps là-bas. Et maintenant, c'est les liqueurs. C'est les boissons, c'est les whisky. On oublie quand même que quelqu'un est mort. Ça commence à sauter, casser. Ça commence à préparer les grosses plats. Ça commence à tuer les moutons, les peaux. Alléluia. Ça, et là, on commence à rire maintenant. Ça rit, ça rit. Alléluia. C'est là maintenant, on va te dire à tout ma soeur. Il y a longtemps, il n'était pas vu. Là, et c'est fait. Là. C'est à ce moment-là que toi-même, on prend ton âme. Alléluia. Amen. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant, bien-aimé. Le monde est méchant, bien-aimé. Celui qui te montre les dents. Celui qui te montre les dents. Celui qui te pique le couteau par le dos. C'est lui qui pique le couteau. Mais celui qui ne peut pas te piquer. Celui qui te peut pas. Celui qui ne peut pas te trahir. Celui qui ne trahit pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne peut pas t'abandonner. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Celui qui peut jamais te rappeler. Alléluia. Bien à Jésus. Amen. Jésus-Christ ne peut jamais te rappeler. Jamais te rappeler. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Mais l'homme. Lorsque tu vas faire petit faute. Lorsque tu as fait petit faute. Il m'a dit hier. Il a oublié ce que tu m'as fait hier. Tu as oublié ce que tu m'as dit hier. Le Seigneur n'est pas comme un homme. Le Seigneur n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme un homme. Il n'est pas comme un homme. Bien, mais toi qui as été blessé. Toi qui as été blessé. Toi qui as été humilié. Toi qui as été rejeté. Bien aimé. Toi qui n'as pas calculé. Dans ta famille. C'est pour toi Jésus est mort. C'est à cause de toi Jésus est mort. C'est toi Jésus est mort. Il dit. Il ramasse par terre. Et il élève. Jésus-Christ ramasse par terre. Et il élève. Il enlève dans la boue. Et il nettoie. Et il nettoie. Alléluia. Amen. Jésus dit. Je suis pas venu. Il n'est pas venu. Pour les bien portants. Bien portants. Mais je suis venu. Il est venu. Pour ceux qui sont malades. Ceux-là même, les gens ne le considèrent pas. Attends la voix de ton créateur. Attends la voix de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il te parle ce soir. Écoute-le, pasteur. Écoute-le, mon frère. Écoute la voix de ton Dieu. Celui qui t'envoie sur cette terre. Celui qui te parle ce soir.
lui qui t'a créé, écoute à son image, entends la voix et à son ressemblance, la voix tu es l'image de Dieu, 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 toi qui es dans l'alcool, tu es dans la drogue, tu es dans la drogue, Jésus te dit, Jésus te dit, tu es son image, tu es son image, tu es son image, tu es son image, il t'appelle ce soir, il t'appelle ce soir, il t'appelle ce soir, il t'appelle ce soir, viens à lui, viens à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es fatigué. Bien-aimé, tu es fatigué. Jésus te tend. Jésus te tend la main. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main ce soir. Mon frère. Mon frère. Petit frère. Petit frère. Grand frère. Grand frère. C'est à toi que je m'adresse ce soir. C'est à toi que je m'adresse. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Sors de busy. Sors de ces choses. Sors de busy. Sors de ces choses. Ce n'est pas le travail pour lequel. Le travail pour lequel. Dieu t'envoie sur cette terre. Jésus t'envoie sur cette terre. Sors. Sors. Bien-aimé, sors. Sors de celui-là. Tu es un prophète. Tu es un prophète. Tu es un apôtre. Tu es un évangéliste. Tu es un évangéliste. Bien-aimé. Tu es le soldat de Jésus. Le soldat de Jésus. Tu es un ambassadeur. Ambassadeur de Jésus. Tu es ambassadeur de Jésus. Ambassadeur de Jésus. Tu es ambassadeur de Jésus. Ambassadeur de Jésus. Tu es ministre de Jésus. Ministre de Jésus. Ne pas laisser le diable t'humilier. Ne pas laisser le diable te plaquer. Ne laisse pas le diable te traquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu entends cette voix. Si tu entends cette voix. C'est Jésus qui t'appelle. Jésus t'appelle. Ma soeur. Ma soeur. Toi qui es dans la prostitution. Toi qui es dans la prostitution. Toi qu'on appelle Poclé. Toi qu'on appelle Poclé. Il n'est pas encore temps pour toi. Il n'est pas temps pour toi. C'est pour toi que Christ est mort. C'est pour toi que Christ est mort. C'est pour toi que Jésus est mort. Il veut changer ton nom. Il veut changer ton identité. 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 Il veut t'appeler ma servante. Il veut t'appeler servante de Dieu. Il veut t'appeler servante de Dieu. Il veut servante de Dieu. Il veut t'appeler la prophétesse. La prophétesse. Il veut t'appeler l'intercesseur. L'intercesseur. Il veut t'appeler la chante de l'éternel. La chante de l'éternel. Il n'est pas conclé. Il n'est pas conclé. Non. Non. Tu n'es pas conclé. Ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail. Jésus t'appelle. Il t'appelle ce soir. Tu peux sortir de là. 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 Jésus t'aime bien. Le diable à l'œil nu. Le diable. Le diable on le voit maintenant. À l'œil nu. À l'œil nu. Alléluia. Amen. On voit des filles sur les réseaux sociaux. On voit des filles sur les réseaux sociaux. Qui croisent un homme. Il croise un homme. Il entretient. Il entretient. Auparavant, au départ, il lui montre son affection. Il lui montre qu'il... Et la femme prend confiance. Elle prend confiance. Alléluia. Amen. En réalité, cet homme est un témoin. Est un témoin cher. Cet homme est un témoin cher. Est un témoin cher. Bien aimé. Quand il va finir de te souffrir. Il va aller avec toi. Il jette les maladies en toi. Il arrache tout en toi. C'est pourquoi, bien aimé. Tu vois ton fille. Elles sont vivantes. Elles sont vivantes. Elles sont pourries. Elles ne peuvent pas s'asseoir. C'est de l'eau qui coule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Quelle que soit la maladie que tu traînes. Les médecins t'ont déclaré. Ils ont déclaré. Que tu es le vieillesse. On ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire. Et c'est fini. Jésus-Christ. Jésus te dit ce soir. Il dit. Jésus te dit. C'est pas fini. C'est pas encore fini. C'est pas fini. C'est pas encore fini. Quand il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Avec ton problème. Avec ton problème. Avec ta maladie. Avec ta maladie. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'appelle. Il t'appelle à lui. Il a la solution. Viens. Il a la solution. À ton problème. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Il va te donner ta santé. Il va te donner ta vie. Donne-lui ta vie. Il va te donner ta liberté. Il va te donner ta liberté. Bien-aimé. Toi qui as le couche de nuit. Toi qui as le couche de nuit. Quand tu dors la nuit. Quand tu dors la nuit. Le monsieur qui vient te déposer hier. Le monsieur qui vient te déposer hier. Dans sa voiture. Dans sa voiture. Il t'a déposé devant la porte de ton père. Devant la porte. Hein. La nuit là. La nuit. C'est son visage qui voit. Son visage on prend. Et la nuit, vous êtes en train de vous embrasser là-bas. Vous êtes là, levez la nuit. Pendant que tu dors. Pendant que tu dors. Et le monsieur couche avec toi dans la nuit. Avec toi. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas celui qui est venu te déposer. C'est lui qui fait en personne. C'est le démon. C'est le démon qui a pris ton visage. C'est lui qui a pris le visage
de ton ami pour venir coucher avec nous. Coucher avec toi. Bien-aimé. Si tu as ce démon en toi, tu ne pourras pas rentrer dans le foyer. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer. C'est pourquoi Christ t'appelle. C'est pourquoi ce soir Jésus t'appelle. Jésus t'étend la main. Viens. Il a la solution. Il est le Dieu de la délivrance. Il va te délivrer. C'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre. C'est lui qui opère les miracles. Il fait les miracles. Alléluia. Amen. Il est le docteur par excellence. Docteur par excellence. Jésus t'étend la main. Je t'étends la main. Toi qui es malade. Toi qui es malade. Tu es couché à l'hôpital. Tu es couché dans ta maison. Couché dans ta maison. Jésus-Christ t'appelle. C'est là où tu te trouves. Reçois la guérison. Oh Seigneur, je te dis. Maintenant même. Viens me visiter. Viens me visiter. Crois que tu as ça. Crois que Jésus est Dieu. Je te visite. Crois que Jésus est Dieu. Le Seigneur te visite. Il te visite. À l'instant même. Tu reçois ta guérison. La guérison. Maintenant même. Tu reçois ta délivrance. Santé. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu reçois ta liberté. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant même. Alléluia. Amen. Jésus est capable de Jésus tout. Est capable de tout. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur l'eau. Il a opéré les miracles. Il a opéré les miracles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait marcher les paralytiques. Bien aimé. Bien aimé. Devant moi, Azopé. Devant moi. Nous sommes partis dans un hôpital. Et là-bas, quand nous sommes arrivés, on était partis prier pour les malades. Prier pour les malades. Alléluia. Amen. C'était Azopé. C'était Azopé. L'année suis passée. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait une femme qui faisait 4 pattes. Il y a une femme qui faisait 4 pattes. Qui venait à peine de sortir. Il venait à peine de sortir. Du bureau du médecin. Du bureau du médecin. Alléluia. Amen. Et quand ils sont rentrés, la femme agonisait. La femme agonisait. Ses pieds sont paralysés. Et ses pieds sont paralysés. Elle ne peut pas se tenir sur ses pieds. Et mes soeurs et moi, nous sommes approchés. Alléluia. Amen. Nous sommes approchés de cette dame. Elle est musulmane. Elle est musulmane. Le Seigneur ne regarde pas ton ethnie. Il ne regarde pas ses cheveux. Il ne regarde pas ce que tu es. Il ne regarde pas ce que tu es. Il ne regarde pas ce que tu es. Il regarde pas cela. Mais il veut se manifester. Il veut montrer son amour. Il veut montrer son amour. Alléluia. Amen. La femme est musulmane. Elle est musulmane. Nous sommes approchés. Et nous avons demandé à son mari. On demandait à son mari. Son mari était là. Il était là. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta femme? Ne va pas. Il a dit non. Que ça fait 2 semaines. 2 semaines. Sa femme a marché sur un médicament. Sur le marché. Au marché. Et elle s'est paralysée. Elle est paralysée. Alléluia. Amen. La première semaine, ils l'ont envoyé dans un autre hôpital. Ils ont amené là-bas, ils ont refusé. Les docteurs ont dit que cette maladie, ce n'est pas pour les médecins. Alléluia. Amen. Et c'est dans le deuxième hôpital, nous sommes venus la trouver. Et le deuxième médecin aussi, dit que cette maladie n'est pas pour les médecins. La femme désespérée. Elle était à 4 pattes. Elle faisait 4 pattes. Bien aimé, 4 pattes, c'est 2 bras par terre. 4 pattes comme bébé. Une grande femme. Couvert par terre. Elle était couvée. La maladie l'a paralysée. La maladie a pris raison d'elle. Alléluia. Nous avons posé question à son mari. Est-ce que nous pouvons prier pour elle? Son mari dit, demandez-lui si elle accepte. On va prier pour elle. Amen. Et nous avons prié. Nous avons demandé à la dame. La dame ne peut pas parler. Elle fait les signes comme ça. Quand on lui a dit, est-ce que tu crois que Jésus-Christ de Nazareth peut te faire lever à l'instant où tu t'es en train de marcher. Elle dit, elle a fait comme elle ça. Elle a secoué sa tête. Bien-aimé, nous avons pris autorité sur la maladie. Cette maladie. Alléluia. Amen. Dans l'hôpital d'Azopé, ça n'a pas fait 30 minutes. La femme s'est levée sur ses pieds. Alléluia. Elle a croisé le médecin par excellence. Le médecin par excellence a sauvé la femme. Les infirmiers, tout l'hôpital était rempli. Azopé. Alléluia. Il n'a pas changé. Le médecin par excellence. S'il a fait pour elle, il peut faire pour toi. Il fait aussi pas pour toi. Si Jésus a fait pour cette âme, il peut faire pour toi. Toi qui souffres encore. Si Jésus a fait pour cette âme, il peut faire pour toi. Je n'ai pas dit oh. Elle n'a pas dit oh. C'est moi-même. C'est elle-même. Moi qui suis en train de parler. Il était là. Et puis dit que j'étais prostituée quand j'étais. J'étais une femme de l'allée. J'étais dans les toses, dans les coloris. Mais c'est moi. Quand j'ai évoqué, le Seigneur Jésus m'a regardé. Et quand j'ai évoqué son nom, il s'est glorifié. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Pour te dire que de là où tu te trouves, là où tu te trouves, si tu abandonnes ta chose, si pardon, le chose. Seigneur peut t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. On va te dire, voici un prophète qui est sorti. Voici un autre prophète. Voici, voici prophète. Le servant de Dieu qui est là. Voici le servant de Dieu. Alléluia. Amen. La femme musulmane, elle a commencé à chanter dans sa langue. Elle a commencé à chanter dans sa langue, Yeshu. Alléluia. Amen. On appelle Jésus Yeshu dans la langue là-bas. Alléluia. Amen. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à danser. À glorifier le nom de Jésus. À glorifier le nom de Jésus. À glorifier le nom de Jésus. Elle faisait comme ça. La dame était à quatre pattes. Elle a commencé à sauter. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas sauté. Éternellement, si tu le donnes ta vie, si tu donnes ton cœur, il va se glorifier, il va se glorifier, ta vie, ma soeur, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle ce soir. Nous avons vu les miracles du Seigneur, nous avons vu les miracles du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons vu les miracles, nous avons vu les miracles du Seigneur, de Jésus de Nazareth. De Jésus. Moi, je suis enfant d'un féticheur. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que dans ma famille, il n'y a pas Jésus. Alléluia. Amen. Mais Jésus m'a montré sa puissance. A montré sa puissance. Jésus-Christ m'a montré sa puissance. A montré sa puissance. Alléluia. Amen. À part lui, il n'y a pas une autre puissance. Il n'y a pas une autre puissance. Il n'y a pas une autre puissance. Il est la suprême puissance. Il est celui-là même qui détient tous les pouvoirs. Alléluia. Amen. La Bible dit, la Bible, il a reçu le nom, il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom. Dans le ciel, c'est lui seul qui a reçu le nom. Et sur la terre encore, c'est lui seul qui a reçu le nom. Sous la terre, c'est Jésus-Christ. Et qu'à son nom, tout genou va fléchir. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. On a dit fléchir. Le péché fléchit. L'envoûtement fléchit. La sorcellerie fléchit. Devant le roi des rois. Amen. Le péché fléchit chez nous. Alléluia. Amen. Le péché qui te fait quoi quand tu ne peux pas quitter dedans. Il va fléchir chez nous. Fléchir chez nous. Et de si Christ t'a franchi, vous serez réellement libre. Si Jésus t'a franchi, si Jésus t'a franchi, tu seras réellement, tu seras réellement libre. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Le Jésus que les gens prêchent, ce n'est pas de Jésus de qui je parle. Je n'ai pas dit, Jésus, je t'aime. Fais-moi bisous. Ce n'est pas de ce Jésus que moi je te prêche aujourd'hui. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Lui qui vient enlever le pauvre. Lui qui enlève lui le pauvre. Lui qui vient enlever le pauvre. Le pauvre. C'est la pauvreté. La pauvreté. Lui qui vient enlever celui qui est malade. Celui qui est malade. Dans sa maladie. Lui qui vient enlever. Lui qui le fou. Le fou. Dans sa folie. Dans sa folie. Lui qui vient enlever. Le péché. Le pas son péché. C'est de Jésus-Christ de Nazareth, le créateur des cieux et de la terre. On ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec lui. Parce que son nom, son nom, son nom, son nom, dans le monde des ténèbres, c'est un feu. 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 C'est pourquoi. C'est pourquoi. On ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec son nom. Bien aimé. Jésus t'appelle. Si Jésus t'appelle ce soir. Ma soeur. Ma soeur. Jésus t'appelle. Si Jésus t'appelle ce soir. Je suis allé à un rendez-vous. Je suis allé à un rendez-vous. Abidjan. Abidjan. Croyez que j'avais un mini. Comment on appelle ça? Chérie, ami, pourquoi rentrer ici, sortir ici, sans toi, je ne peux pas vivre. Oui. Rentrer ici. Alléluia. Amen. Et je suis tombé dans ce panneau. Tombé dans ce. Bien aimé. Et dans ce soir, on allait boire dans les pas. Quand on a fini de boire, lorsque l'on a fini de boire, nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes rentrés à la maison. On a commencé à fumer. Commencé la à fumer. Belle vie. Ah, la chic fille. Et elle a commencé à faire les choses. Le monsieur, alors qu'il était venu pour m'assassiner. Alléluia. Amen. Il était venu pour m'assassiner. Venu pour m'assassiner. Les bruteurs. Les bruteurs. Que vous voyez. Que vous voyez. C'est des sacrificateurs. Ils sacrifient les filles. Ils sacrifient les filles. Ils sacrifient les filles. Ils sacrifient les filles. Si le marabout le dit. Si le marabout le dit. Prends ta copine que tu aimes. Envoie toi tête. Sans hésitation. Sans hésiter. Il va le faire. Il va le faire. Bien aimé. Il va l'attirer par de l'argent.
À partir de 3h du matin. Quand j'étais. Quand on ménage, je dormais dans le dormais. Et ils ont commencé leur rituel. Au moment où je vais me réveiller comme ça, où je vais m'en rendre compte. Je suis au milieu de 5 hommes. Je suis au milieu de 5 hommes. Alléluia. Amen. 5 hommes dans la chambre. 5 hommes. Alléluia. Amen. Ils étaient, il y a un que j'ai vu comme ça. Il y avait canari. Il y a canari dans sa main. Et il y avait du sang sur le canari. Alléluia. Amen. Je n'avais pas de force. Et j'ai commencé à dire dans mon cœur. Dans mon cœur. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Parce que là. Là. Je suis dans paix. Alléluia. Jésus, sauve-moi. Bien-aimé, je suis dans paix. Je suis dans paix. Comme... Alléluia. Comme on peut le dire en Côte d'Ivoire. Je suis dans paix. Je crie au Seigneur au profond de moi. Dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Jésus, viens à mon secours. Alléluia. On dit, pendant que j'étais là, parce que c'est les gens qui m'ont rencontré après. Alléluia. Amen. Il y a une force qui est descendue à moi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur. Il est descendu à moi. Moi qui étais saoulé. Moi qui étais dosé. Le Seigneur m'a soulevé. Bien-aimé. Les gens de l'immeuble. Si j'ai dit, j'ai jeté. Quand j'ai projeté comme ça, le portail avec ces personnes, ils sont tombés au dehors. Alléluia. Amen. La porte s'est ouverte. Et dans le quartier, j'ai commencé à parler. Et j'ai commencé à parler de Jésus. Et je disais, repentez-vous. Dans le monde à Jésus. Répétez-vous. Le message, le Seigneur saisit ma personne pour pouvoir libérer ceux qui sont à l'immeuble, ceux qui sont dans ce quartier. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a élevé dans toutes ces choses. Alléluia. Amen. Il m'a délivré. Je le suis, il ne m'avait pas délivré de la mort. Je ne serai pas là aujourd'hui. C'est pourquoi toi, ma bien-aimée. Toi qui nous écoutes. La vie que tu mènes. Va te trahir. Tu peux l'abandonner. On dit. C'est pas tout ce qui est rose. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille là, c'est pas ce qui est l'or. C'est pas de l'or. Le mieux que tu vois. Le mieux que tu vois. Celui qui est là. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Ton genre là. Celui qui va te tuer. Alléluia. Amen. Le beau gosse là. Celui-là même. Si son témoin a dit, faut donner cette fille. Celle que nous voulons. Sans exception. Il va au pays. Et ta vie aussi en danger. Bien aimé. S'il ne le fait pas. Terrain lui. On le poursuit. Alléluia. Amen. Et toi ta vie finit. Comme ça. C'est comme ça nous attendons. Les filles ont disparu. Les gens ont disparu. Il y a des filles qui disparaissent. Les gens ont 18 ans. C'est dans ce genre de choses. J'ai été témoin. J'ai échappé à ces rituels. Parce qu'il voulait prendre des choses de moi. Il voulait prendre les parties avec mes seins. Tout ça pour aller faire les rituels. Mais Jésus de Nazareth n'a pas permis cela. Il m'a donné la vie. Alléluia. C'est pourquoi je t'appelle ce soir. Jésus donne la vie. Il t'appelle. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Tu n'es pas dit. Donne ta vie à Jésus et puis tu vas être toujours dans les mêmes choses. Le Seigneur dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. J'ai dit, tu es fatigué, donne ta vie à Jésus-Christ, il va te restaurer. Alléluia. Gloire à Jésus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa puissante main vous visite ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé, sois béni. Voilà, on va vous donner les contacts. Et si vous avez des questions à poser, voilà, le temps est un peu avancé. On va vous laisser le contact. Voilà, si vous voulez
que nous revenions après échanger avec vous. On va laisser le contact. Si dans les messages, dans le message qui a été donné, tu t'es retrouvé dedans, tu veux donner ta vie à Jésus, ou bien tu peux compter pour toi. Tu as une maladie quelconque. Bien-aimé, tu peux venir tout à l'heure et on va prier pour toi. Nous sommes encore là, on va prier pour toi. Si tu souffres d'une maladie depuis des années, tu cherches solution. Il n'y a pas de solution, tu n'as pas encore trouvé ta guérison. Alors tu peux t'approcher et nous allons prier pour toi. Le Seigneur va te faire grâce. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas regarder ton frère, il ne faut pas regarder ta soeur. Amen. Le salut est individuel. Et la maladie aussi, c'est individuel. Quand tu souffres, ce ne sont pas au moins ceux qui sont à côté de toi. Ceux que toi, tu dis que non, ils vont se moquer de toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi, tout ça. Ce n'est pas eux qui souffrent, mais c'est toi. Bien-aimé, si tout ce qui a été dit, tu t'es retrouvé dedans. Et toi-même, tu as trouvé que c'est vrai. On va te donner les contacts. Premier contact, c'est WhatsApp, c'est Orange, 07 88 97 09 69 à la fin. Je reprends, 07 88 97 09 69 à la fin. Voici encore un second numéro. Aussi, WhatsApp, Orange, 07 09 04 54 04 à la fin. 07 09 04 54 04 à la fin. Troisième numéro, ça c'est Move. 01 03 22 99 51. 01 03 22 99 51. Bien-aimé, sois béni. Nous sommes l'Église. Sainteté, la sainteté pour le ciel. Alléluia. La sainteté pour le ciel. Nous prions ici à Gagnoua. Et le temple se trouve au quartier Soleil. Carrefour, quartier Amani. Quand tu descends, Carrefour Amani, il prend à ta droite. Ce n'est pas l'œil du goudron. Et les contacts donnés, tu peux nous contacter. Et si tu veux qu'on se déplace pour venir chez toi à la maison, il faut nous faire signe. On viendra te rendre visite. Et toutes les questions posées, toutes les questions. Et tout ce que tu veux savoir, par la grâce de Dieu, il va mettre tout à notre disposition. Pour qu'on puisse échanger avec toi. Amen. Bien-aimé, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Si tu es là, tu veux qu'on prie pour toi. Elles ont parlé de l'alcool, parlé de la cigarette débauche. Tu dors la nuit, tu fais songe, tu fais des rêves, tu manges à rêve. C'est dans rêve, toi, tu manges viande. C'est dans songe, dans rêve, on te poursuit. Souvent même tu fais des rêves, tu te trouves dedans que tu es mort, tu es morte. C'est quand tu te réveilles que tu vois que tu n'es pas mort. Bien-aimé, il y a un esprit de mort dans ta vie. Et à la longue, si tu n'as pas prié, et si cet esprit demeure dans ta vie, c'est cet esprit qui va te pousser à aller faire accident. Bizarrement, et tu meurs, tu restes dedans. Ça, c'est l'esprit de mort. Alléluia. Tu dors la nuit, tu fais ces songes. On te poursuit, tu te vas dans l'eau. Ou bien tu te vas marier. En réalité, ça veut dire dans le songe,
spirituellement tu es marié. Donc pour gagner un mari, ça sera difficile. Il faut accepter Jésus véritablement. Accepte Jésus véritablement dans ton cœur. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de Jésus. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Alléluia. Bien aimé, voici les contacts qui ont été donnés. Que le Seigneur te bénisse, qui te couvre de sa grâce infinie. Bien aimé, si tu es malade, tu as honte de venir. Que le Seigneur te guérisse et que sa puissance descende sur toi et que tous les blocages de ta vie se débloquent au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Amen.